Bonsoir Lalla Aïcha, nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui ici à l'Union, au Parlement européen. Pardon. Et pourriez-vous nous parler un petit peu de votre de cette petite rencontre aujourd'hui avec les parlementaires? Pour moi, c'est une grande rencontre parce qu'il y a eu un moment d'échange et de parole libre. Sans tabou, sans arrière-pensée, d'être humain à être humain, et nous sommes tous les habitants de cette planète, et si nous n'agissons pas maintenant, tout de suite, en urgence, ça va être le chaos dans le futur. Il faut absolument rattraper les dégâts et essayer de nous serrer les coudes pour construire une société plus juste et plus humaine et plus ouverte, parce que sinon c'est le désastre qui va nous attendre, qui nous attendra aussi bien nous que vous, et ça c'est pas bon, et on doit travailler avec beaucoup de sincérité, et je sais que Dieu, lui qui nous écoute là-haut, parce que c'est à lui que je crois, va nous aider. Il sait que on cherche le bien, on ne veut rien pour nous, on veut que le bien pour l'humanité, qu'elle soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Pour moi, les êtres humains sont tous égaux, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur nationalité. C'est Dieu qui crée qui il veut, quand il veut. Et nous, on doit respecter la vie, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Voilà. Quelle est votre demande aujourd'hui par rapport à l'Union? Je voudrais que l'Union européenne puisse réfléchir et trouver le moyen d'aider les associations, pas seulement les nôtres, toutes celles qui sont dans le sud de la Méditerranée, parce que les associations militent et combattent, mais pour apprendre à une femme à être autonome, à un jeune aussi, à se réapproprier son être et sa personnalité, il faut des moyens. Il faut avoir des enseignants bien encadrés. Et il faudrait qu'on puisse profiter de l'expérience qu'ils ont eue ici dans l'Union européenne, parce qu'ils ont beaucoup fait de travail sur les droits humains, sur la responsabilisation des jeunes et tout ça. On voudrait pouvoir en profiter. Sur l'accueil des femmes battues et victimes de violences, on voudrait pouvoir en profiter. Être provisoirement financé, parce qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Mais qu'au moins on puisse commencer pendant quelques années, et après on se débrouille pour aller toute seule. Merci Madame Jalal Aïcha. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Pourriez-vous nous dire pourquoi nous sommes présents aujourd'hui? Écoutez, c'est un événement tenu au Parlement européen autour de la personne de Aïcha Chena. Aïcha Chena est une militante des droits de l'homme et des droits de la femme en particulier. Elle a une association, Solidarité Féminine au Maroc, et elle mène un combat depuis des dizaines et des dizaines d'années au profit de la femme abandonnée, au profit de l'enfant. Et on est venu reconnaître tout le travail qu'elle a fait, mais aussi elle est venue sensibiliser les parlementaires européens, je dirais, à son travail et aussi à l'aide qu'il faut lui amener dans le cadre de son travail. Y a-t-il des actions envisageables ou des décisions prises pour aider cette association dans son travail, dans son combat quotidien, pour en matière des femmes célibataires, en matière des enfants abandonnés, en matière de l'avortement? Y a-t-il des actions, un rôle joué par les parlementaires par rapport à cette problématique? Écoutez, d'abord, il ne faut pas oublier que son association est au Maroc. Donc, l'aide qu'on peut apporter à son association, d'abord, se trouve au Maroc. Et donc, elle a parlé de lois qui doivent être amendées. Je pense que le Maroc évolue convenablement dans ce sens-là, que ce soit au niveau de la reconnaissance des enfants abandonnés, que ce soit au niveau de l'avortement dans des cas extrêmes. Donc, beaucoup de choses sont faites, il y a du chemin à parcourir. En ce qui concerne le Parlement européen, d'abord, il y a une question qui est primordiale, c'est sensibiliser les parlementaires, leur expliquer quelles sont les difficultés, mais aussi leur montrer que beaucoup de chemin a été parcouru. Il en reste encore à parcourir, mais déjà, c'est important, parce que ça change l'image du Maroc, et je pense que c'est important, ça. Deuxième chose, comme je l'ai expliqué, c'est au niveau de l'aide financière, et il faut reconnaître que l'Union européenne, dans sa programmation d'aide financière au Maroc, inclut une rubrique qui est l'aide directe aux associations. Donc l'association de Mme Chena, si elle présente un dossier et cela se passe au Maroc, devrait bénéficier de cette aide-là.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, madame Arena. Pourriez-vous nous dire quel est l'objectif de notre présence aujourd'hui au Parlement ? Alors, c'est important d'avoir madame Aïcha Chena ici au Parlement européen parce qu'elle fait un travail remarquable en ce qui concerne la question des mères célibataires au Maroc. Et comme nous travaillons ici au Parlement sur la question des droits des femmes sur le pourtour méditerranéen, c'était important d'avoir son expérience, son témoignage ici au Parlement européen. Parce que bien entendu, il y a des choses qui ont bougé, qui ont évolué par rapport aux droits des femmes, mais il y a encore des espaces tabous, il y a encore des espaces difficiles. Et ça ne concerne pas uniquement le Maroc. Aujourd'hui, en Europe, on est confronté à ces mêmes difficultés. Quand on parle d'éducation sexuelle et reproductive, ça bloque aujourd'hui, ici au Parlement européen. Quand on parle de droit à l'avortement, ça bloque aussi ici en Europe. Et donc, ce sont les sujets qui peuvent paraître des sujets datés, mais qui sont des sujets extrêmement d'actualité de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, mais ici aussi en Europe. Donc avoir un témoignage comme celui d'Aïcha Chena me semble vraiment important. Et en tant que parlementaire, comment vous pouvez aider l'association d'Aïcha Chena dans son combat quotidien auprès des femmes célibataires, auprès des enfants abandonnés, par rapport à la matière, à l'avortement, à différentes problématiques qu'on vit maintenant dans les sociétés arabo-musulmanes ou même ici en Europe? Alors, on a plusieurs manières de travailler avec le Maroc. On a un dialogue politique qui est intense entre l'Union européenne et le Maroc. Et je pense que c'est important que tous les députés européens qui ont ce contact politique entre parlementaires européens et parlementaires marocains mettent à l'ordre du jour cette question. Ça, c'est une première chose, c'est de dire nous sommes sensibles à cette question et donc si nous faisons des partenariats Europe-Maroc, c'est une question qui devra être mise sur la table. Ça, c'est une première manière. C'est ce qu'on appelle le dialogue politique que l'on a avec le Maroc, mais que l'on a avec les pays du monde entier et qui nous permettent d'échanger, de voir pourquoi, de comprendre, mais aussi de mettre à l'ordre du jour de l'agenda politique des valeurs que nous devons effectivement partager. La deuxième manière, c'est qu'il y a des moyens financiers qui viennent de l'Union européenne vers le Maroc et qui peuvent aussi être orientés vers un certain nombre de priorités. Et je pense qu'il est important de mettre des priorités sur des projets tels que ceux-ci. Alors on le fera en partenariat avec le Maroc, bien entendu. Nous ne pouvons pas imposer nos priorités, mais on doit en tout cas tenter de faire en sorte que des associations telles que celle d'Aïcha Chena, qui travaille vraiment sur de l'humanitaire. On est vraiment sur la relation humaine de la mère, des enfants, du statut de ses enfants. Et donc, il nous semble aussi important et prioritaire de pouvoir demander au Maroc de les mettre dans leurs priorités en matière de financement. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans une réunion avec madame Lachna. Pourriez-vous nous donner une idée un petit peu sur l'objectif de cette réunion d'aujourd'hui? C'est une réunion qui a été très émouvante et Laila Aïcha est une femme qui est une femme extraordinaire. Et vraiment, quand on voit son parcours pour faire évoluer la société marocaine, c'est un exemple. Et un exemple que d'ailleurs Sa Majesté le roi Mohamed VI a aussi pris en compte, non seulement en 2004 dans le cadre de l'évolution du code de la famille, mais aussi sur l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, qui est aussi un sujet sensible, mais qui en même temps doit être abordé pour permettre de protéger les jeunes filles qui se retrouvent parfois brutalement ou dans une situation difficile, enceinte, femme célibataire. Donc on voit bien que les situations de détresse, c'est quelque chose que l'association Solidarité Féminine, que préside Laila Aïcha, est au fait pour faire évoluer la société marocaine. Et en même temps, c'était aussi le moment de faire le point, de montrer que quand on regarde la société arabo-musulmane, eh bien, le Maroc est précurseur, est en avance sur bon nombre d'autres pays du monde musulman. Et ça, c'était aussi très important à rappeler. Et je pense que nous le devons à la dynamique en ce domaine
qu'a impulsé Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec des institutions comme le Conseil national des droits de l'homme, présidé par Driss Al-Yazami, et puis aussi le foisonnement de la société civile qui permet ainsi de faire changer les mentalités, car vous le savez, on peut avoir la volonté politique de faire évoluer si les mentalités ne changent pas. Il ne faut pas grand-chose. Donc là encore, il est nécessaire que le pouvoir politique puisse s'appuyer sur la société civile, ce qui est le cas aussi au Maroc. Donc ça nous a permis ce soir de faire le point, et de voir comment nous pourrions développer notre partenariat en ce domaine entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Et nous avons effectivement dégagé un certain nombre de pistes pour permettre l'accompagnement social, notamment en matière de santé, d'éducation liée au milieu notamment défavorisé. En matière justement, on parle des actions envisageables en tant que parlementaire vous pouvez prendre par rapport à cette question, à ce combat. Y a-t-il un plan déjà, un programme qui a été déjà établi pour aider en matière des femmes célibataires, en matière des enfants abandonnés, en matière de l'avortement? Y a-t-il des... Nous devons effectivement nous appuyer sur la société civile, les associations et profiter de cette régionalisation telle que nous le voyons dans sa mise en place ces dernières années sur le Royaume du Maroc, pour faire en sorte que nous puissions ainsi avoir des politiques de coopération pour permettre des politiques de prévention en ce domaine qui soient organisées à l'échelle de chacune des régions, 12 régions que nous connaissons maintenant au Maroc. Aussi un sujet que nous avons abordé, il existe des financements potentiels pour permettre effectivement cette coopération au sein de chacune des 12 régions marocaines. Donc des financements européens, mais également de la part du Royaume du Maroc, et puis tout ça sous l'égide de l'Union pour la Méditerranée, car je pense que c'est important qu'on puisse avoir un label de l'Union pour la Méditerranée. Donc voilà, Ismaël Almoravid, président de l'association Orphelins du Monde. Nous sommes ici au Parlement européen, devant la salle Julia Horn, donc pour la conférence de Aïcha Chenna. Donc Aïcha Chenna a été invitée par la députée européenne Maria Arena, qui fait partie du groupe SND au Parlement européen, dans le cadre d'une conférence qui s'intitule « Comment l'Union européenne peut contribuer à l'émancipation des genres dans les pays du Maghreb ?» Cela faisait près d'un an que j'avais eu l'idée d'organiser un tel événement. Donc je me suis concerté avec l'équipe du cabinet de Madame Arena. Et voilà, on a fixé une date, le lundi 28 novembre, donc aujourd'hui même. Et la conférence bat son plein. La salle est remplie, full. C'est un succès. Madame Chenna a témoigné, mais avec tellement d'émotion que certains dans la salle avaient les larmes aux yeux. Et moi, je suis vraiment très content de faire ça pour cette dame que j'ai rencontrée au Maroc en 2012 dans le cadre des actions humanitaires de mon association Orphelins du Monde. Nous, nous sommes basés à Bruxelles et nos collaborateurs, nous collaborons constamment avec Solidarité Féminine, l'association de Madame Chenna à Casablanca. Donc, juste après la conférence, il y aura une petite surprise pour Madame Chenna, mais chut, il ne faut pas le dire, elle recevra un prix pour l'ensemble de son œuvre, de sa carrière, par l'eurodéputée Marie Arena. Donc on a prévu ça avec le cabinet de l'eurodéputée Marie. Et voilà, je me félicite d'organiser ça pour elle. Je me félicite parce que ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais voilà. Là, le prix, ça valait le coup, on va dire. Et je souhaite vraiment courage à toutes ces mères célibataires pour lesquelles Aïcha Chenna combat depuis 55 ans. Donc ces mères avec enfants seuls, qui sont quelquefois répudiées de leur famille, qui sont quelquefois, qui traînent souvent quelquefois dans la rue et qui sont récupérées par ces associations. Cette société civile marocaine qui œuvre constamment avec courage, avec abnégation, qui œuvre pour cette cause, la cause de la mère célibataire et la cause de l'enfant orphelin.
Donc je salue tous nos auditeurs belgo-marocains ou autres, tous les Marocains du monde. Et voilà, ici à Bruxelles, nous nous efforçons d'aider Madame Aïcha Chenna dans son œuvre, dans la lutte avec son association Solidarité Féminine pour la mère célibataire et pour l'enfant abandonné. Donc je remercie Saïd, qui est devenu un ami que j'ai rencontré il y a un peu plus d'un an et qui nous suit au quotidien. Donc Saïd pour MRE24 Belgique. Donc longue vie à MRE24. J'ai vu MRE24 grandir, évoluer, devenir de plus en plus, on va dire, solide, avec des couvertures, que ce soit dans le monde culturel, artistique, politique. MRE24 est partout. Donc maintenant, c'est devenu CNN, c'est incontournable. Donc Saïd, je te salue et je t'embrasse.